Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les lumbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini ça aussi. C'est super ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh merci, merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben dormir un peu. Je suis épuisé moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Attends, vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber, qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? 1 dollar par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron.